Eh bien, re tout le monde, juste avant le petit aparté, avant que le début de la vidéo commence, très important, mais très très important les amis, regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce que on découvre comment réussir le commerce, donc vraiment très important, restez jusqu'à la fin et regardez tous les petits, toute la vidéo tout simplement, parce que il y a des moments où vous allez comprendre des choses qu'on n'a pas réussi à faire dans l'épisode précédent, et en fait tout devient clair dans cette vidéo tout simplement les amis, donc j'espère que ça vous plaira, et bonne vidéo à vous. Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Mais avant toute chose les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on atteint bientôt les 1000 abonnés, donc je compte énormément sur vous pour vous abonner. Ça vous coûte rien, et moi ça me rapporte énormément, ça prouve que le travail que je fournis sur cette chaîne YouTube vous satisfait et vous plaît, et vous aide surtout dans l'avancée de Star Citizen ou dans d'autres jeux. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Pour tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne est faite pour, entre guillemets, aider les nouveaux, et pourquoi pas même vous inviter à jouer avec soit la communauté multigaming qu'on est en train de créer sur Discord, ou soit avec notre corporation. Tout le monde sont les bienvenus. Donc par la même occasion, ça me permet de switch les amis dans la description. Il y a deux Discord, Discord communautaire, où justement tout le monde est le bienvenu. Que vous ayez déjà une corpo, que vous ayez pas de corpo, que vous voulez jouer solo ou jouer en groupe. Le Discord multigaming est ouvert à tous, donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Surtout qu'il y a un giveaway encore en cours, donc le giveaway est en cours de 1000 à 1500 abonnés, donc pour vous inscrire c'est pas compliqué, la vidéo sera dans la description. Le concours consiste à tout simplement vous abonner, like la vidéo, la regarder en entière, et à rejoindre le Discord communautaire. Tout ce qu'on fait ça, vous serez éligible au concours qui est totalement gratuit, je le rappelle. Par l'occasion, le Discord de la corporation, du coup, pour tous les joueurs qui jouent en solo, bah, même qui sont nouveaux dans le jeu et qui veulent apprendre et qui veulent découvrir le jeu, qui veulent apprendre à jouer, bah vous êtes les bienvenus. Voilà, on recrute tous les gens qui sont dans votre style. Bien entendu, on demande des gens sérieux. Donc, si je lance dans Star Citizen, c'est pour quelque chose de sérieux et concret, parce qu'on espère faire vivre la corporation pendant encore très longtemps. Notre but étant de marquer le verse de Star Citizen. Et pour ça, il nous faut du monde et des gens sérieux qui veulent bien s'investir un minimum dans le jeu. Donc forcément, on a tous des familles, des vies à côté du travail. Donc c'est normal qu'on ne peut pas tout le temps être présent. Mais au moins, juste être sérieux dans ce qu'on entreprend dans Star Citizen. Voilà les amis. N'oubliez pas aussi que les nouveaux comptes, ils peuvent utiliser mon code de parrainage à la création du compte. Ça vous fera gagner 5000 AUC en plus pour Star Citizen. Donc croyez-moi que c'est ultra important. Vous avez pu voir hier, hier, pour vous c'est avant-hier, enfin, parce que la vidéo elle va sortir demain, donc ça vous fera un petit peu plus de temps. Mais bon, bref, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai fini à 600 000 AUC, c'est très compliqué. Après, par la suite, de continuer à faire du commerce avec ce peu de sous. Donc, moi les amis, je vous conseille de mettre un code à parrainage, peu importe, que ce soit le mien ou un autre, n'hésitez pas à le mettre. Ça vous fera énormément bien au moment voulu. Donc les amis, comme on peut le voir, on se retrouve avec le Hercule. Donc dans la dernière vidéo, il y a un abonné qui a donné une petite frat. Donc on va l'essayer ensemble. J'ai déjà commencé à faire les comptes. Donc ça va être un petit bénef, moins qu'on faisait un rappel, mais ça va être quand même un beau petit bénef. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette vidéo pour vous le faire. Normalement, on a une petite escorte qui est au-dessus. Il y a une autre qui va arriver dans très peu de temps, voilà. Donc, on est assez safe pour le début de cette vidéo. Donc là, on se trouve sur Arial. Donc l'abonné qui m'aura donné cette stratégie se reconnaîtra. Un grand big up à toi, merci d'avoir donné ça dans les commentaires. Ça fait plaisir que des membres de la communauté aident les petits nouveaux ou les personnes, et que j'ai du soutien pour aider les gens. Donc du coup, on se retrouve sur Arial, sur Talan, pardon. Latin, pardon. Donc on se retrouve ici. Donc j'ai fait un peu le tour pour savoir ce qu'il y avait le mieux de faire du commerce ici. Et pour moi, le meilleur, le plus worst, en tout cas, enfin, qui fait partie des plus worst, ça a été du coup l'Aranite. La Laranite qui est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, comme tout le temps, j'ai fait un petit stock. Là, on va bien entendu attendre que le stock revienne de l'Aranite. Là, pour l'instant, il n'est pas là. Je sais pas pourquoi.
Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon. On va attendre que le stock revienne. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour à quelques millions. Donc, le farm et les collègues. Donc, merci à eux de m'avoir donné de l'argent. Un grand merci à Fimo et Black qui m'ont gentiment donné de la thune. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de secret dans Star Citizen. Si vous voulez de l'argent en grande quantité comme là, il faut farmer et découvrir des nouvelles choses. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours, et ça demande beaucoup de temps. Mais du coup, les amis, ce que je fais, c'est que je vous retrouve dès que j'ai assez d'essai pour remplir mon C2. A tout de suite, les amis. Bon, les amis, on se reprend pour la dernière, le dernier achat. Il vient d'avoir 180 SCU. Merde. J'ai l'impression que parfois ça bug, parce que là, il apparaît plus. C'est chiant. Ah, voilà. Donc du coup, comme je l'ai dit, ne prenez pas de caisse de 32. C'est sûr, ça va bugger. Donc prenez des 24 au maximum. Hop, voilà. Donc du coup, on se retrouve pour le déchargement. Et bien entendu, on se fera ça en accéléré pour que ça soit plus regardable pour vous.
Donc, les amis, je vous reprends après, normalement, là, le petit accéléré. Du coup, je vous reprends à leur ville. Là, c'est là où ça se vend normalement le mieux. Donc, ce que vous avez vu dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube, c'était bien ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement vider son cargo. Donc, je rappelle que vous avez deux solutions. Donc, là, la solution où. C'est le. On va dire un bot, entre guillemets, qui vide votre cargaison. Ou alors, c'est vous qui la videz comme je vais le faire actuellement pour gagner plus de thunes. Forcément, ce sera le plus simple. Donc là, pour éviter que la vidéo soit trop longue, ce que je vais faire, c'est que je vais tout charger sur le fret élévateur. Et je vous montrerai que je la mets dans l'inventaire de la ville. Et normalement, il y aura pas de problème. Et entre parenthèses, je rangerai le vaisseau. Comme ça évitera qu'il y ait des bugs. Parce que faut. Pardon, ce principe-là. Ranger le vaisseau, les gars, parce que s'il détecte votre vaisseau, il va peut-être avoir un bug. C'est la 3.24, c'est le début. Donc, on va mettre toutes les chances de l'autre côté. Pour que cette fois-ci, ça se passe mieux que dans le dernier épisode. Forcément, on veut tous que ça se passe bien. Et par la même occasion, n'oubliez pas, les amis. Prenez un gros multitool, parce qu'apparemment le petit multitool a été bugué sur Latan, ouais, un truc dans le genre. Enfin, là où on était du coup. Et du coup, j'ai réussi qu'avec le gros multitool. Donc, merci à Timou qui est venu m'en ramener un frérot de la corpo. Donc, un grand merci à lui. S'il voit cette vidéo, big up à lui. Et écoutez, les amis, on se retrouve dès que j'ai fini de charger le fret. Bon, je vous reprends du coup avec une petite. Une petite demi-heure de rangement de caisse, donc il y en a certains qui ont une qui a bugué à travers le sol. Un peu dégoûté, mais c'est pas très grave, voilà, c'est que le cas est sûr, on va pas pleurer. Du coup, je vais faire avec vous, je vais ranger les caisses dans le fret. S'il veut bien, mais du coup, j'espère que ça n'a pas fait bugger la. Bon, déjà, on regarde les amis. Bon, les amis, je vous reprends à voir. Là, c'est tout. Remplacer toutes les caisses. Donc, on a le fret élévateur qui est blindé de caisses. Donc, du coup, on va le descendre. Transférer vers l'entrepôt. On va se rendre au TDD. Donc, ça sera encore une petite coupure, malheureusement, les amis, parce que. Je pense que vous connaissez où est le TDD de leur ville si vous avez suivi toutes les vidéos. Et au pire des cas, si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos, je vous invite fortement à aller regarder les présentations de chaque ville. Comme ça, vous verrez. Donc, les caisses de la Ranit sont bien dans l'entrepôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on va ranger le vaisseau. Voilà, ça fait partie des trucs que je pense qu'il faut faire maintenant. Vu que le vaisseau il est vide, autant le ranger qu'il ne détecte pas le C2. Et qui détecte plutôt dans leur ville. Ça, c'est le truc à faire. Alors, à savoir que, vu que c'est, je vais pas vous mentir, celle-ci, je n'ai pas encore testée. Donc, je vais le tester avec vous. Je range mon vaisseau et on se retrouve au TDD, les amis. Et bien, re, les amis. Donc, après moult et moult péripéties, du coup, j'ai la Ranit ici. Donc, forcément, vous voyez pas que c'est dans la station. Ce qui est dommage parce qu'en fait j'ai tenté de le mettre dans l'élévateur prêt comme vous avez pu le voir normalement un petit peu tout à l'heure. Heureusement ici c'était toujours pas affiché donc écoutez c'est pas très grave. Nous ce qu'on va faire c'est que... Ah attendez. Ça prend que 10 000 pour charger. Les amis, on a trouvé la solution. Bah là maintenant vous savez les amis, donc forcément. Donc là maintenant on le sait, tout est plus clair. C'est vrai que c'est pas dit, donc c'est très intéressant. Donc du coup, c'est vous gardez votre marchandise dans le C2 et vous cochez la case si vous voulez. Ou pas le vendre. Donc moi forcément je vais la cocher comme ça me prendra pas du temps, ça va prendre 4 minutes, moi les 4 minutes ça sera fini. Et que ça prend que 10 000 pour les 18
24, donc c'est plutôt pas mal. Non, j'ai demandé de charger. Voilà, chargement automatique. Donc là, traitement de la commande. J'espère que ça va fonctionner. Très bien. Accepté. Parfait. Et du coup, là... bah pareil, du coup. Bon, là, ça va me prendre quoi? Ouais, c'est... Là, c'est même pas 2000 débrouettes. Donc, honnêtement, ça va. Ils ont pas abusé. Donc, forcément... pardon. Ah, attendez, peut-être que j'ai... Faut que je fasse ça. Bon, mais on va vendre une pour voir. Stock insuffisant. C'est pas grave, j'attendrai que ça se vende celle-là pour vendre le reste. Mais du coup, ça m'a quand même remboursé. Et normalement, si vous allez au panneau de contrôle pour sortir vos vaisseaux, les amis, vous verrez qu'il y a une espèce de timer pour vous dire comme quoi c'est en train de décharger mon vaisseau. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre petit like et votre abonnement. Ça fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.